Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Ville. Plein de trucs vont remonter parce que cette Hérote complètement bourrave a pas réussi ou su ou réussi et su ou beaucoup d'autres choses les tabasser. Donc du coup, ils vont remonter. Ah oui, là il y avait le petit trou qui descendait au petit étage inférieur. Tiens, lui est déjà mort. Il n'a pas été très utile, mais Ingvar est arrivé à prendre sa place. Donc ce qu'on va... Ouh là là là, on va un peu diminuer la demande de farine, déjà. On va dire 17 farines vont être largement assez importantes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... casser peut-être sûrement du caillou. Non, c'est bon, il y a du caillou qui est déjà cassé ici. On va peut-être en casser un petit peu plus. On va en casser un petit peu plus. Et ici, il y a un peu de caillou, donc on va voir est-ce qu'on peut pas décider de casser du caillou ici. Et on va essayer. Alors là, est-ce qu'il y a un zéro? Il y a un héros ici. Là, il n'y en a pas là. Là, il y en a un là. Il y en a un là. Il y en a pas ici. Il y en a un là, et les colocs. Donc j'ai encore largement la place pour les héros. Là, vous allez voir, voilà, c'est ce qui était prévisible. Il y a à peine une ligne de stone, et le reste, c'est pas du caillou. Bon, c'est pas grave. Combien il y a de cailloux ici? Il y en a un petit peu. Who me? The almighty Og died. Et quelqu'un d'autre aussi est mort au passage. Là, donc, d'être dans ce baril, il y a que dalle. Est-ce que je pense... Mais quel est le mauvais étage? Étage inférieur. Je me disais aussi que ça me paraissait bizarre qu'ils aient déjà tout découvert, tout ça. Donc, ils doivent être en train de fabriquer et poser les murs. On va en profiter ici. Je crois que c'est celui-ci. On va dire que c'est celui-ci, sinon c'est dommage. Voilà, ça devrait être bon comme ça. Ça devrait être bon. Un héros est mort. Lui devrait pas tarder à crever. Pouf, niveau 9. Ha, 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 ha. Contre Umi the Almighty Ogre. Qu'on est un peu en train de tuer à la chaîne, d'ailleurs. Umi the Almighty Ogre. Puisqu'on doit déjà, on doit en avoir au moins un ou deux autres. Ingvar, qui était venu à la rescousse, est mort. Je ne sais pas qui ici... Super. Et ton nom, Rulf, va sûrement crever. Donc du coup, là ils sont en train de fabriquer ça. 47, 48, 49, je pense qu'il y a plus de baraques. En tout cas, on n'est pas trop... Alors pourquoi il n'y a rien dans le baril et tout est là? Je pense qu'ils sont en train de faire des trucs à la chaîne. On ne va plus demander que 20 pains. Déjà. Ça va être une première étape. Et ça serait bien qu'il y en ait qui se décident à ranger les barils. Donc quelles sont les priorités? Effectivement, construire les murs et aller jouer du pic, ça précède ranger. Donc là, il y en a qui jouent du pic ici. Ah, pourquoi elle range la terre? J'ai dû oublier de péter un baril quelque part. Non, j'ai dû demander à avoir... du verre, et donc elle va l'amener à l'usine de verre. Elle l'amène à l'usine de verre, effectivement. Donc il va falloir que je pioche un peu de terre, si on veut pouvoir avoir des vitres partout où j'ai demandé des vitres. C'est bon à savoir. Voilà. Donc on va piocher ça, puis on va piocher aussi ça. Voilà. Parfait. Lui est mort, voilà. On va éviter les fantômes du passé. Gunbrer est arrivé, donc lui il va sûrement crever dans... Ah, niveau 30, niveau 30. Bon, il va sûrement crever dans pas très longtemps. Hein. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Ils font des murs, et là on va voir si ça va se connecter ou pas. C'est surtout ça la grande question. Allez, on se dépêche. Effectivement, il manquait de verre pour faire... Ah, Bénédicte Courcelles est morte. Ou est mort, je ne sais pas. Je ne sais pas si ce Bénédicte était un mâle ou une femelle.
ou un homme ou une femme. Hop, voilà. On va faire de la... Ça donne, le prévost est arrivé. Donc là, il manque pas beaucoup de murs pour finir ça. Bon, si je les fais taper aussi, on va jamais y arriver. Parce que là, au moins, ils vont pouvoir faire du verre et finir les trucs que j'ai demandé en verre. Là, ils font des murs. Et après, ils vont peut-être enfin ranger tout ce bordel dans la... Ouh. Quel bordel. Ah bah là, il y en a plein qui est rangé en plus. Certains barils sont pleins, d'autres sont vides. Ah bah tous ceux-ci sont évidemment pleins. Non pas évidemment pleins, mais évidemment pleins. Forcément, encore une fois, je n'ai pas regardé l'heure à laquelle j'ai commencé à tourner. Ça, ça commence à devenir logique et classique venant de ma part. Ce qu'on va demander, on va demander un petit peu de route. Alors, on va continuer avec de la route verte. Hein. Et on va router jusqu'ici. Et on va créer des petites chambres. Et j'aurais dû appuyer sur Shift. Clic, clic, clic. On va créer une petite chambre ici. Bah lui, il va avoir le droit d'être un petit peu plus grand. Et donc là, on va cliquer une chambre ici, une chambre là. Et là, parfait, ça va faire un petit chemin qui va descendre vers l'usine à pommes. Et on va mettre des personal rooms ici, et là, et puis ici. Alors, on laisse un espace pour le mur, un espace pour la route, un espace pour le mur. Et on met une chambre ici, une chambre là, une chambre ici, une chambre là, et une chambre ici, et une chambre là. Et puis une ici. Perfect. Maintenant, on va mettre du mobilier dans les chambres. Hop, hop. Hop. Toujours très communiste. Pac, pac. Tac. Tac, tac, tac. Oui, j'ai entendu mon téléphone, vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais je vous dis, mon téléphone a sonné. Mobilier intérieur, un petit coffre pour que chacun puisse mettre ses petites affaires. Lui, il va en avoir droit à deux. Hop, 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 voilà. Donc ça c'est bon, alors ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des morts là-dedans? Ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air. Bon, là, il va y en avoir un dans pas longtemps. Fendrel Cavalier ne va pas réussir à survivre. Ça me paraît très bizarre. Il n'a pas réussi à survivre. Destroyer l'Human Corpse. Et on va revenir au problème ici. Donc, alors, pourquoi ils ne construisent pas de mur? Parce que peut-être que la route est prioritaire sur les murs. Est-ce que j'ai du gel bleu? Qu'est-ce que j'ai comme bordel ici? Vert, rouge. Là, bleu. Bleu, bleu. Ouah, je dois en avoir assez pour faire une petite route bleue. Touc. Touc. Alors, on va jamais avoir assez de gel pour le faire. Hein. Ça, c'est prévisible. Mais c'est pas grave, je m'en tamponne. Des petites vitres. Mais c'est vrai que je vais jamais avoir assez de bois non plus. En train de me dire que ça va poser un petit problème technique. J'essaie en même temps de suivre le chat pour voir quand est-ce que mes héros crèvent. Mais c'est... Mais non, ah, je sens qu'il va y avoir un truc qui a foiré quand j'ai mis ce clic là. Voilà, donc ensuite, c'est ce mur-là qui va là. Là, ici, là. Là. Je crois que j'ai rien bouché. Forcément, ce mur-ci, je ne sais plus si c'est celui-ci ou celui-là. On va dire que c'est celui-ci. On va faire un test là.
Et puis là, on va prendre celui-ci pour rajouter un peu de couleur. Et là, je vais le faire tout en une fois. Et je vais m'empresser d'oublier exactement qu'est-ce que j'ai choisi comme type de mur pour quand je vais vouloir faire l'extension. Hop, hop. Maintenant, on va mettre des portes. Des portes. Portes. Ah, un héros est mort. Voilà. Je crois que j'ai essayé de cliquer une porte à côté de son cadavre. Normalement, ça ne devrait rien faire. Je doute qu'ils essaient de placer des portes. Ah, bah lui est mort. Voilà. On continue le placement des portes. Là et là. Voilà. Et il en manque une ici et une là. Voilà, normalement c'est bon. Il ne va jamais y avoir assez de rien du tout en fait. Il y a de la farine absolument partout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore diminuer la demande de farine. On va se mettre à 13. Et là, je vais totalement oublier pour le prochain épisode que j'ai demandé de baisser la demande de farine. Et je vais en avoir partout. En même temps, on va même demander ça à 0. Voilà. Voilà, comme ça ce sera mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un peu de cailloux, il y a un peu de terre. Donc c'est bon. Là, il y a un peu d'arbres. Ils sont en train un peu d'aménager certaines des chambres. Il y a un peu de chance, dans pas longtemps, on va avoir des petits vitoyens qui vont arriver. Il va falloir tenir bien regarder cette farine pour éviter qu'il y ait des problèmes avec ça. On va peut-être se faire un petit accéléré le temps de la construction et on se retrouve juste après que ça soit construit. Ce truc-là, c'est violent. The Burning Pet. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est bien violent. Des golems de pierre. Drock, the Hobgoblin King. Alors la grande question, c'est combien il y a de Hobgoblin King? Réponse au prochain épisode. Faire un petit accéléré pour voir sûrement en direct la fin de la ville. Déjà je vais détruire ce baril. Voilà, avec cela ici, je crains que la ville n'approche de la fin très 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 rapidement, notamment avec Toponovic le zombie. Et là, il va falloir arriver à avoir des gens qui vont réussir à déboîter. Non, lui, il veut pas. Qui vont réussir à déboîter bah, les gens qui sont là-dedans. Et le zombie, le golem de fer, lui... que dalle, je m'en fous. Lui, c'est que dalle, je m'en fous aussi pareil. On risque d'avoir des gros problèmes. Vraiment très gros. Peut-être qu'elle, on va réussir à la tuer. Voilà, on a réussi à la tuer avant, mais le Stone Golem, c'est même pas la peine d'y penser. Donc lui, normalement, devrait crever lamentablement, même s'il est niveau 18. Lui, qui arrive niveau 19, va sûrement faire exactement la même chose. Dès que le pet va
arriver. Et voilà, ça y est, ceux-là vont remonter. Et ça va être la fin. Platch. Attention, attention. Hop, ils ont même réussi à éviter les pièges. Voilà, elle, elle fuit. Ah, peut-être s'ils sont confus. Peut-être le faire. Et sinon, s'ils montent trop près du haut, on va tricher et on leur foutra un coup de lave, histoire de... Bah, que ça s'arrête pas là. Lui, il va crever lamentablement. Non, il va vouloir remonter. Et là, je ne sais même pas si on va pouvoir les tuer si on y va à coup de lave. Allez, allez. Attention. The Pet, lui, il s'en fout. Il a rien. Il n'a vraiment absolument rien. Et l'autre est juste bruised. Lightly wounded. Morte. Je ne sais même pas où elle est. Où est son corps? Hop. C'est pas les siens, parce que normalement, ils auraient pas dû arriver aussi loin. Il est arrivé à Windin. Ah, bah, il y en a encore une autre qui est morte ici. Human Remains, j'arrive pas à les voir par contre. Ça m'ennuie un petit peu. Fine, il a changé d'insta dans sa moritude. Ce qui est un miracle. Après m'avoir usé je ne sais pas combien de héros, il a avancé d'install. Fine. Eh ben, ça va pas aller très loin très vite tout ça. À part à tomber sur quelqu'un qui est capable de lui foutre des baffes à 2000 points de vie. Il a une attaque à 5600 et il n'y arrive pas. Lui, il a une attaque à combien? 4000. Ça fait rien non plus. Donc où est-ce qu'on en est rendu? Bruised! Wouhou! On va peut-être y arriver, hein. Non, puisqu'après, il n'y a plus de pièges, c'est ça? Après, il n'y a plus de pièges. Me dis pas qu'il me remonte encore d'autres trucs, celui-là. Bruised. Je ne vois toujours pas où sont les Human Remains. Allez. Est-ce qu'on peut avoir... Non. On n'a toujours pas d'Human Remains. À moins qu'il soit descendu. Il me semble pas. Ah bah super, toi tu passes à côté et tu t'en fous complètement. Enfin, sympa quoi. Genre sympa. En même temps, c'est bien parce que ça le fait se reprendre les... Ouh, lightly wounded. Ensuite, on a wounded, je crois. Puis severely wounded. Puis dead. Ah, et ben dis donc. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Ah, bah, y a un héros qui est mort ici. Donc déjà, hop. A human remains. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas. En même temps, sur les pièges, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à un peu disparaître aussi. Ah, wounded. Donc on est passé de lightly wounded à wounded. Avec une attaque de 5300. Toujours à wounded. Boring Lodge est décédé. Alors, il est où? Il est là. Wounded, stunned. Bleeding, stunned, wounded. Wounded toujours. Toujours, plus bleeding. Est-ce qu'il y a des zéros qui sont dans le... en arrivée? Non. Stunned. Malkind Holland, un nouveau héros est arrivé. Bleeding, slow, stunned. Severely wounded. Wouhou! Splutch. Severely wounded toujours. Bleeding, stunned, madadadada. Toujours severely wounded. Un magicien au corps à corps dessus. Oh!
Ah non, il l'a transformé, j'étais là. Ah, il est mort, il est mort, il est mort. Mais non, il est juste transformé. Vachement moins drôle. Par contre, il a toujours son espèce de gros boulet quand il est transformé, c'est assez marrant. Mortally wounded. Toujours mortally wounded. Toujours. Toujours. Comment dire, toujours. Allez. Allez. On est en train de passer toutes les étapes dessus. Et finalement, bon, j'ai un peu de bol aussi qu'il ait fait un aller-retour. Mais finalement, les pièges, c'est pas mal. Et surtout le fait d'avoir mis mes différents trucs loin les uns des autres. Parce que s'ils avaient été proches, je pense que ça aurait été une autre histoire. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va demander d'autres... Mais genre, quoi ? Qu'est-ce qu'il fiche ? Bon bah j'ai un... Ah genre tu fais le tour toi. Bah non. Si, ah il fait carrément le grand tour. Donc ok, donc du coup... Il va falloir que je rajoute quelques pièges sur son chemin. Parce que si tous les monstres font le grand tour comme ça... Ça m'arrange bien. Alors il en est où, il en est où? Il est là. 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 Allez. Allez. Wouhou. Mort. Fouh. Et donc c'était stressant ce truc. Hop. 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 Allez. Et hop, hop, hop. Hop. Voilà. Chou. Bon, en même temps, est-ce qu'ils ont eu le temps d'un peu construire ici? Un peu. Donc c'était la bonne couleur, mais je me rappelle plus laquelle j'avais choisi. Je crois que c'était celle-ci. Non, celle-ci. Hop. Construisons. Touc, touc, tac, tac, et voilà. Donc ça, je pense que c'est bon. On doit manquer un petit peu de verre. Et oui, parce qu'il n'y a plus de dirt nulle part. Ce qu'on va faire, ah bah c'est qu'on va faire ça. Tiens, hop. The Burning Pets, Burn, machin. Ah ouais, quand même. Ah bah non, on va pas se refaire la même histoire. Ah non, je stresse déjà, j'ai déjà assez stressé une fois. Hein. Surtout que si on se le fait une deuxième fois, je vais pas regarder et ça va poser problème. Bon. On verra ça. Alors ici, est-ce qu'ils sont en train de poser mes pièges? Plus ou moins. Hop. Ouh. Famine, famine, famine. Je savais bien qu'il allait avoir un problème. Je savais bien qu'il allait avoir un problème ici. Là, il n'y a plus rien là-dedans. Heureusement, il en reste un petit peu ici. Donc, ici, c'est en train de se construire. Il manque quoi? Il manque un peu de vitre ici. Du mur. Du mur, du mur. Et du mur. En fait, il ne manque que du mur après. Bon, on va se reprendre le petit accéléré et on va se dire au revoir après la fin de toute cette construction. À tout à l'heure. Et grâce à la magie de la post-production et de l'édition vidéo non linéaire, on peut se retrouver... Ah, ah, ah. Le temps que ça rende, il en manque un petit bout ici, mais il doit être en préparation. Normalement, on va même en train d'arriver. En train d'arriver, on peut se retrouver eh bien, au moment où tout se finit. Pouf! Et donc on peut se dire à très bientôt pour un nouvel épisode de La Vie Ville. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon appétit, etc. Là, vu comment je vais le poster, ça sera surtout bonne soirée, j'imagine. Même peut-être éventuellement bonne nuit. Mais on verra ça... Enfin, plutôt, on verra pas ça du tout, c'est à vous de voir. Allez, salut!